Herzlich willkommen zur Veranstaltung Neosouveränität, Nigers Weg zur Selbstbestimmung? Das ist eine gemeinsame Veranstaltung von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und von Medico International. Mein Name ist Corinna Zeitz. Ich bin Referentin hier bei Medico in der Kooperationsabteilung und zuständig für Sahel und Migration. Und ich mache heute die Moderation und führe Sie ein bisschen durchs Programm. Zunächst zum Ablauf. Die Veranstaltung geht etwa anderthalb Stunden. Zunächst werden Lisa und Musa etwa 45 Minuten Fragen rund um die Situation in Niger für uns beantworten. Und danach werden wir dann die Diskussion des Publikums eröffnen und Sie bzw. ihr könnt euch dann auch an der Debatte beteiligen. Zunächst ein paar praktische Punkte. Die Toiletten befinden sich hier draußen, einfach geradeaus durchgehen. Das Pastel habt ihr ja wahrscheinlich gesehen, das ist das Café hier draußen, das ist geöffnet und dort könnt ihr Snacks oder auch Getränke kaufen, auch gerne jetzt noch. Genau. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Veranstaltung heute aufgezeichnet wird, allerdings nicht als Livestream, sondern im Anschluss hochgeladen wird auf unserem YouTube-Channel. Das heißt, wenn ihr später was sagen möchtet und das nicht auf YouTube haben möchtet, dann sagt einfach kurz vorher das an und dann nehmen wir das hinterher raus. Eine weitere Information ist, dass hinten ein kleiner Buchverkauf durch den Westend Verlag angeboten wird. Vielen Dank dafür. Der Westend Verlag hat nämlich das Buch von Musa Tangeri hier in Deutschland rausgebracht und ihr könnt es da hinten für 16 Euro erwerben. Schön, dass ihr da seid. Außerdem liegt da auch noch weiteres Material aus von uns, von Medico, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und von Lisa Turner. Okay, von der SWP. Könnt ihr euch gerne mitnehmen. Ja, kommen wir zu unseren ReferentInnen. Zunächst herzlich willkommen Musa Tangeri. Musa ist Menschenrechtler und Journalist aus dem Niger. Er ist Teil der AEC, der Alternative Espace Citoyen. Das ist eine Menschenrechtsvereinigung in Niger, die Arbeit zu Recht auf Rechte machen und die nigrische Bevölkerung eben über ihre Grundrechte aufklären und im Land verschiedene Radiostationen haben und darüber eben Informationen ans Volk bringen. Musa selbst war leider auch schon Opfer von Repressionen unter dem Regime Bazoum. Und er ist eine wichtige Stimme für die Zivilbevölkerung. Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Und ja, herzlich willkommen auch an Lisa Tscherner. Lisa beschäftigt sich viel mit dem Thema Niger und hat auch zwischen 2009 und 2012 selbst dort gelebt, im Rahmen eines zivilen Friedensdienstes. Lisa forscht über dschihadistischen Terrorismus und seit 2022 ist sie Wissenschaftlerin im Projekt Megatrends Afrika, Auswirkungen und Handlungsoptionen für Deutschland und internationale Politik. Auch sehr schön, dass du hier bist, Lisa. Ja, der Putsch im Niger, die Situation im Niger, wie wahrscheinlich die meisten hier wissen, gab es eben nach den Putschen in Mali und Burkina Faso auch einen Putsch in Niger im Juli 2023, letztes Jahr. Seitdem ist das, ist das Militärregime an der Macht unter dem Brigadegeneral Tiani und Präsident Bazoum ist abgesetzt. Der Westen verurteilte diesen Putsch als einen Putsch zu viel
und stellte die Zahlung der Hilfsgelder an den Niger ein. Auch die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, die ECOWAS, verhängte Sanktionen und drohte mit einer militärischen Intervention. Seither ist die Situation für die Bevölkerung des Niger gravierend. Sie leiden eben unter Nahrungsmittelknappheit und den verhängten Sanktionen. Zudem herrscht eine sehr anti-westliche Stimmung, eine anti-französische Stimmung. Die französischen Truppen haben das Land verlassen und seitdem kam es auch zu dem Austritt des Nigers aus verschiedenen Abkommen mit der EU und auch der Aufhebung des Migrationsgesetzes oder des Antimigrationsgesetzes aus dem Jahr 2015. Weiterhin skandieren deutsche Medien den wachsenden Einfluss Russlands in der Region des Sahels. Und über diese Situation möchten wir nun reden. Fangen wir mit dir an, Moussa. Wie ist denn die aktuelle Lage in Niger? Wie nimmst du das wahr? Wie unterscheidet sich die Situation in Niamey von dem Rest des Landes? Assalamu alaikum. Bonjour. Je voudrais tout d'abord exprimer ma joie d'être à nouveau dans cette salle-là où nous étions il y a quelques temps pour parler d'autres sujets, le sujet de la migration, le sujet de la démocratie à l'échelle globale, beaucoup de sujets d'intérêt commun. Je voudrais remercier Medico International et également la Fondation Rosa Luxembourg qui sont nos partenaires avec lesquels nous travaillons depuis plusieurs années, des partenaires qui nous apportent un appui précieux, et des partenaires grâce auxquels je suis finalement ici avec vous aujourd'hui. Je remercie aussi la maison d'édition qui a bien voulu publier un texte que j'avais rédigé depuis 2017. Et c'était ce texte pour un peu susciter le débat et alerter sur la gravité de la situation au Sahel et ce qui pourrait advenir si rien n'est entrepris. Alors, ce qui est arrivé au Niger en juillet de l'année dernière, le coup d'État était tout à fait prévisible pour tous ceux qui suivent un peu l'actualité au niveau du Sahel. Et d'ailleurs, il faut craindre qu'il y ait encore peut-être d'autres événements du genre dans d'autres pays. Cela est parfaitement possible. Ce coup d'État vient sanctionner une crise, celle de la démocratie, pour laquelle nous nous sommes battus dans les années 90. Il y a eu des mobilisations extraordinaires un peu partout, dans la plupart des pays d'Israël, pour revendiquer la démocratie, même si, pour certains analystes, c'était comme quelque chose d'offert, mais c'était quand même des luttes populaires qui avaient donné lieu à ça. Cette expérience de la démocratie, on l'a conduite avec plus ou moins de bonheur pendant 3 décennies. Et puisque ça n'a pas satisfait les attentes de la population, et qu'entre-temps, il y a eu cette crise sécuritaire d'ampleur inédite dans l'ensemble des pays, dans toute la région, finalement, donc, militaires sont venus renverser la situation et prendre le pouvoir. C'est ce qui est arrivé. Quelle est la situation aujourd'hui? Bon, pour le moment, la CEDEAO a levé ses sanctions. Et je pense que certains pays occidentaux sont aussi dans la voie de discuter pour une reprise peut-être progressive de leur appui au Niger. Même si beaucoup de pays attendent d'abord de voir quel est l'agenda de la junte militaire, quel est son plan, qu'est-ce qu'ils veulent entreprendre, dans combien de temps. Il n'y a pas de feuille de route de ce qui s'annonce comme une transition, mais il faut dire que la vérité, c'est que les militaires au Sahel sont revenus au pouvoir avec l'idée cette fois-ci de rester le plus longtemps possible.
c'est une restauration autoritaire qui a mal. Je pense que le projet des militaires, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali ou au Burkina Faso, c'est de rester de façon durable, comme ils l'ont fait par le passé, notamment dans les années 70. Tous ces pays étaient dirigés par des régimes militaires qui, par la suite, se sont transformés en régime de parti unique. Donc les militaires veulent revenir avec ça, avec cette situation. Et voilà ce qu'il y a aujourd'hui en place. Et naturellement, c'est une situation porteuse de risques, de menaces pour tous ceux qui, comme nous, défendent les droits humains, défendent les valeurs de la démocratie, etc. On le voit dans certains des pays, des personnes, des défenseurs du droit qui sont arrêtés, des journalistes qui sont menacés. Il y a des groupes qui se mettent en place, qui menacent directement. Ce n'est pas seulement les forces régulières qui menacent les défenseurs, mais ce sont aussi des groupes de citoyens organisés qui portent atteinte aux droits des personnes. Donc voilà un peu la situation. C'est des régimes plus ou moins fascistes qui sont en train de se mettre malheureusement en place et qui vont avoir face à eux des groupes armés dont le projet est aussi un projet totalitaire et autoritaire. Voilà. Ja, vielen Dank, Musa, für die Antwort. Lisa, du warst vor ein paar Monaten für deine Forschung in Niger, nach dem Putsch. Wie hast du denn die Lage dort wahrgenommen und auch im Vergleich zu vor dem Putsch? Ja, erstmal auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein, vor allem mit Musa, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ich muss sagen, also meine Reise liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Ich war Ende Oktober, Anfang November in Niger, als gerade der Luftraum wieder geöffnet wurde. Also vorher war es überhaupt gar nicht möglich zu reisen, weil die Grenzen zu waren. Und ich habe die Lage schon als extrem angespannt erlebt. Also einerseits waren die Folgen der Sanktionen sehr, sehr stark zu spüren. Die Lebensmittelpreise waren extrem angestiegen. Medikamente waren knapp, die Stadt Niamey war extrem ruhig, weil die Leute sich kein Benzin mehr leisten konnten und nicht mehr rumgefahren sind wie vorher. Und das hat man schon sehr, sehr stark gespürt. Was man sonst auch noch stark gespürt hat, ist, dass die Militärregierung sehr nervös schien. Und sehr darauf bedacht, sich gegen externe, aber auch gegen interne Bedrohungen abzusichern. Also das hat sich daran bemerkbar gemacht, dass es erstmal gar nicht so leicht war, ins Land zu kommen, auch mit dem gültigen Visum. Also die wenigen Ausländer, die überhaupt zu dem Zeitpunkt noch nach Niger geflogen sind, gereist sind, wurden an der Grenze rausgezogen. Es gab stundenlange Verhöre, um überhaupt sozusagen ins Land zu kommen. Auch zum Beispiel humanitäre Hilfsleistungen wurden nicht mehr ins Land gelassen, weil die Militärregierung Angst hatte, dass über diese Hilfsleistungen auch externe Agenten mit ins Land kommen könnten. Andererseits, Musa hat das gerade schon angesprochen, war auch die staatliche Überwachung und Repression extrem stark. So wurde mir das zumindest von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen berichtet. Und wie Musa auch schon gesagt hat, nicht unbedingt von staatlichen Institutionen, dem Geheimdienst, sondern auch einfach von der Bevölkerung. Das habe ich sehr stark auch in meinen Interviews gespürt. Und das hat meine Arbeit natürlich auch stark beeinträchtigt, weil die Menschen auch Angst hatten, mit mir zusammen gesehen zu werden, mit mir zu sprechen. Hatten einfach Angst, dass in öffentlichen Orten, wo wir uns getroffen haben, dass Leute mithören, dass sie gesehen werden und dass... ist natürlich sehr, sehr schwer, weil das doch eine sehr, sehr starke Unsicherheit war, die da zu spüren war. Dazu muss man auch sagen, dass es sehr viele Verhaftungen ohne jegliche Rechtsgrundlage gegeben hat und auch immer noch weiterhin gibt. Also Präsident Bazoum ist ja zum Beispiel immer noch in Gefangenschaft und auch Mitglieder der alten Regierung wurden verhaftet, aber auch zum Beispiel Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen leiden sehr, sehr stark unter der Repression. Also kurz bevor ich ins Land gereist bin, wurde zum Beispiel Samira Sabou
eine sehr bekannte Bloggerin des Landes von maskierten Männern abgeholt und war für 5 Tage verschwunden, ohne dass ihr Anwalt oder ihre Familie wussten überhaupt, wo sie ist. Seitdem ist sie wieder aufgetaucht, aber ja, meldet sich in der Öffentlichkeit nicht mehr zu Wort. Also ja, das war so einerseits die eine Seite, die ich ganz stark wahrgenommen habe. Andererseits muss man aber auch sagen, und das scheint vielleicht paradox, aber das können wir auch später nochmal diskutieren, dass ich gleichzeitig auch eine sehr starke Hoffnung noch gespürt habe von der Bevölkerung, die eben darauf hoffen, dass der Putsch jetzt doch einen politischen Wandel mit sich bringt, dass jetzt endlich mit der alten korrupten politischen Elite abgerechnet wird, dass das Land eben sich von der einstigen Kolonialmacht Frankreich endlich befreit, unabhängig wird, dass die Sicherheitskrise jetzt endlich in den Griff, dass das Militär die Sicherheitskrise in den Griff bekommen wird und dass sich sozusagen die Verhältnisse der Bevölkerung endlich verbessern werden. Also es gab schon auch diese Hoffnung, wobei man ganz real sagen muss, dass bis jetzt es nichts darauf hinweist, dass die Militärs wirklich irgendwas tun, um die Lebensverhältnisse der Bevölkerung zu verbessern und dass es doch wirklich um mehr geht als nur um den reinen Machterhalt. Ja, vielen Dank für deine Antwort. Du sprachst jetzt eben von der Etablierung von Unabhängigkeit. Schauen wir mal auf die Finanzen von Niger, des Nigers. Niger erhält ja aktuell keine Entwicklungshilfe mehr aus den USA und von der EU, beziehungsweise auch von Frankreich und Deutschland. Und das kreiert eine Haushaltslücke des Staatshaushalts. Wir haben gestern darüber auch schon gesprochen in unserer Veranstaltung in Berlin, dass das wohl ganze 45% ausmacht. Das ist auf jeden Fall ein sehr hoher prozentualer Anteil. Deswegen kritisieren auch viele Leute in Niger und aber auch in Deutschland diese Abhängigkeiten zum auch europäischen Ausland durch eben Entwicklungszusammenarbeit oder Hilfsgelder. Musa, was denkst du denn bezüglich dieser Kritiken und wie bewertest du eben dieses Einfrieren der Gelder? Steckt da eine Chance drin oder leidet darunter eigentlich nur die Bevölkerung? Bon, merci. La suspension de l'aide a des conséquences directes sur la vie des gens, puisque, comme vous le savez, l'État du Niger, son budget est financé à plus de 40% par des ressources venant de l'extérieur sous forme de dettes ou de prêts. Et donc, une fois que ce robinet est fermé, ça va se ressentir dans la vie des gens. C'est une évidence. Les militaires, quand ils sont arrivés, ils ont dû procéder à une révision du budget. Et le budget a été amputé de sommes importantes. 40%, c'est beaucoup. Un pays qui dépend à plus de 40% de financement extérieur, c'est beaucoup. Et l'importance de cet appui se mesure par à quoi c'est destiné. C'est-à-dire que ce sont les ressources extérieures qui financent pour l'essentiel les investissements dans différents secteurs, y compris dans des secteurs productifs. Donc, les ressources propres de l'État sont utilisées davantage pour payer les salaires des fonctionnaires, pour faire tourner la machine de l'État et aussi financer la lutte contre les groupes armés. Donc, les investissements sont financés pour l'essentiel sur des fonds extérieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas le financement extérieur, les investissements dans pas mal de secteurs ne se feront pas. Dans des secteurs comme la santé, dans des secteurs comme l'agriculture, comme l'élevage, comme l'éducation, l'appui extérieur est très important. Et donc, ça va se ressentir de ce point de vue-là. Maintenant, bien entendu, l'aide vient aussi avec ses problèmes. Par exemple, un des acteurs clés
pour le financement de l'agriculture, ce sont les Américains, à travers le Millennium Challenge, etc. C'est une initiative américaine qui finance le secteur de l'agriculture, mais avec des conditionnalités. Et les conditionnalités, ce sont d'abord, par exemple, la liquidation de certaines institutions, la suppression des subventions de certaines institutions qui participent un peu à l'appui au monde rural. C'est aussi la possibilité d'introduire, par exemple, la culture des OGM, etc. Donc, ils financent, mais ils financent non pas l'agriculture familiale, qui nourrit l'essentiel de la population et à travers laquelle, c'est-à-dire que c'est dans ce secteur que près de 80% de la population travaille, mais eux, ils veulent promouvoir l'agro-business, ce qui ne va pas forcément dans l'intérêt de tout le monde. Bon, évidemment, la question de l'aide de façon générale, c'est important qu'un pays, en fait, essaye de développer une capacité propre. Bon, là, c'est arrivé, c'est une conjoncture, et les militaires font avec. Mais les militaires espèrent tirer une certaine rente de l'exploitation pétrolière parce que le Niger va commencer au cours de ce mois-là l'exportation du pétrole brut. Donc pour les militaires, même s'il n'y a pas l'aide extérieure, il y a la possibilité de tirer une rente du pétrole et ça leur donne une certaine marge. Donc pour les militaires, le fait que le pays va devenir un pays exportateur du pétrole, ça permet d'envisager la mise en place d'un système autoritaire parce qu'il devient moins dépendant des ressources extérieures. Et peut-être aussi qu'ils peuvent emprunter sur le marché. Bon, la situation économique du pays est très grave parce que le Niger a accumulé aussi des arriérés énormes du point de vue du financement. Comme vous le savez, le Niger, comme beaucoup des pays de la région, fait la levée des fonds sur le marché à travers les bons de trésor et d'autres instruments. C'est de la dette à court terme avec des taux d'intérêt très élevés. Et déjà là, le Niger a accumulé beaucoup d'arriérés qu'il doit payer. C'est le cas aussi des autres pays du Sahel. Sur le plan économique, sur le plan financier, il y a des déficits énormes. On parle beaucoup de développer notre dépendance, de réduire notre dépendance, etc. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça signifie, ça suppose qu'on ait un plan clair, des initiatives qui se mettent en place, une vision pour sortir de la dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. Et c'est important de le faire. C'est un enjeu important de la souveraineté. Et les militaires, en fait, pour le moment, ils utilisent seulement, c'est un slogan, il n'y a pas de politique claire, tracée pour arriver à ça. Donc ils sont encore dans la logique d'une économie errante, basée sur l'exploitation du pétrole. Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Lisa, was würdest du denn sagen? Würdest du noch irgendwas ergänzen zu alternativen Finanzquellen, die für Niger in Frage kommen? Was sind da sozusagen deine Ansichten drauf? Und was gibt es denn vielleicht für finanzielle Handlungsmöglichkeiten noch? Ja, Musa hat es gerade schon angesprochen. Also die Militärregierung setzt ganz stark auf die Vermarktung von Rohöl auf dem internationalen Markt. Es gibt diese Pipeline, die von den Chinesen gebaut wurde, die sozusagen die Ölfelder in Niger mit der Küste in Benin verbinden sollen. Angeblich wurde diese Pipeline vor ungefähr 10 Tagen, also am 1. März, eröffnet oder ist jetzt funktional, aber ich muss dazu sagen, dass die Kommunikation sehr intransparent ist. Also in Niger weiß niemand so wirklich, ob die Pipeline jetzt offen ist oder nicht. Es wird immer sehr viel versprochen, wenn jetzt die Pipeline funktioniert und anläuft, dann wird das die Lebensverhältnisse der Bevölkerung verbessern. Aber wie Musa gerade schon gesagt hat, das ist nicht unbedingt das, womit man jetzt rechnen muss. Also die Frage des Rohöls oder überhaupt des Öls ist auch
eine Erklärung, die eventuell auch den Putsch mit begünstigt hat, also dass es sozusagen auch Streitigkeiten innerhalb der politisch-militärischen Elite gegeben hat, die dazu geführt haben, ja, oder die mit der Frage des Öls eben zusammenhängen. Was wir ansonsten aber noch sehen, und das knüpft auch an das an, was Musa gerade gesagt hat, die Militärregierung weiß auch ganz genau, dass sie auch nicht alleine autark existieren kann. Und was wir da ganz stark sehen im Moment ist, dass ja, der Premierminister zum Beispiel dabei ist, ja, andere Partner für das Land zu gewinnen. Es wird in dem offiziellen Diskurs immer von der Diversifizierung der Partnerschaften gesprochen, aber was wir in der Tat sehen, ist, dass die Junta sich eben externe Unterstützung von anderen autoritären Systemen sucht. Also der Premierminister ist zum Beispiel im Januar in den Iran gereist, nach Serbien, nach Russland. Also wir sehen, dass ja, da andere Partnerschaften gesucht werden von Staaten, die eben keine politischen Konditionen an ihre Hilfsleistungen oder an ihre, ja, Verträge knüpfen. Im Dezember war auch eine russische Delegation in Niamey und es wurde ein neues Militärabkommen geschlossen, wobei auch da bis jetzt keine Details bekannt geworden sind. Die Frage, ob zum Beispiel auch russische Söldner in Niger aktiv werden sollen, darüber scheint die Militärjunta derzeit gespalten. Da ist auch noch nicht wirklich bekannt, wie das in diesbezüglich weitergehen soll. Ja, um da noch mal kurz nachzuhaken. Hier in den Medien wird ja immer sehr viel über die deutsche Einflussnahme im Sahel generell gesprochen. Lisa, wie schätzt du das denn? Also du hast eben schon was gesagt über sozusagen den russischen Einfluss in Niger, aber schätzt du das auch als so eine große Gefahr ein oder ist der Einfluss wirklich so hoch, wie es ja immer dargestellt wird in den Medien? Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Sätze dranhängen. Ja, ich glaube, wir haben das gestern auch schon die Frage diskutiert. Musa hatte auch eine ganz dezidierte Meinung dazu. Vielleicht wäre es auch interessant, Musa, dass du da nochmal was zu sagst. Also ich sehe halt einfach, dass es im Moment ja doch die Initiative von Seiten Nigers gibt, auch stärker mit Russland zu kooperieren. Die Gründe habe ich gerade schon erwähnt, dass eben keine politischen Konditionen gestellt werden. Und ja, dass... kannst du noch ganz kurz deine Frage wiederholen? Also, ja, genau. Wie groß der Einfluss von Russland ist? Ja, also das ist, wie gesagt, noch nicht ganz klar im Moment, in welche Richtung das gehen wird. Ich denke aber schon, dass die Russen natürlich dieses Vakuum jetzt nutzen, auch um ihre Einflusszone im Sahel weiter auszubauen. Also wir sehen in den letzten 10 Jahren, dass Russland immer stärker auch im Sahel aktiv geworden ist. Seit 2021 sind Wagner-Söldner in Mali aktiv. Auch in Burkina Faso ist jetzt das neue Afrika-Korps, wie es jetzt heißt, hat Soldaten geschickt von Russland. Und ja, also Mali, Burkina Faso und Niger wollen jetzt ja auch mehr im Verbund agieren, haben die Allianz der Sahelstaaten gegründet, um sich auch militärisch zusammenzuschließen. Und ich denke, da muss man schon damit rechnen, auch dass Russlands Einflusszone auch im Niger immer weiter ausgebaut wird. Aber man muss auch dazu sagen, dass Russland auch vorher schon auch unter der Regierung Bazoum mit Niger kooperiert hat. Also es ist jetzt auch kein Novum, dass Russland auch in Niger präsent ist. Okay. Je vais dire un mot sur la question de la Russie. À mon avis, ce qui se passe, c'est que ce sont les Sahéliens, les militaires et autres qui sont en train d'aller chercher la Russie. C'est pas que, bon, j'imagine que la Russie, comme toutes les grandes puissances, s'intéresse au Sahel et veut avoir de l'influence partout où c'est possible d'avoir de l'influence. Certainement qu'il y a ça. Mais dans le jeu actuel, en ce qui concerne le Sahel, à mon avis, ce sont aussi, c'est aussi une initiative. Je dirais, en fait, les militaires sont aussi à l'initiative. Voilà, ils ne sont pas là assis et puis la Russie vient le faire. C'est eux aussi qui entreprennent, qui essaient de voir, en fait, bon, ils savent, déjà tout le monde peut lire aujourd'hui la scène internationale, les clivages qui traversent les enjeux qui sont là. Et ils voient que la Russie peut leur offrir des choses que peut-être
ne peuvent pas avoir de l'autre côté. C'est ce que la Russie peut offrir au régime africain, c'est d'abord la protection des régimes eux-mêmes. La Russie a commencé sa percée d'abord en Centrafrique. Nous n'oublions pas Centrafrique. C'était un pays traversé par des conflits multiples. Donc c'est là que la Russie a commencé à prendre pied. La Russie, on prend les éléments récents. Et en Centrafrique, qu'est-ce que la Russie propose? C'était évidemment les mercenaires de Wagner qui viennent en soutien à un gouvernement qui n'a pas une véritable armée pour faire face au groupe armé. Et donc, ils ont essayé de prendre la place. Il y avait une force internationale qui était là, il y avait les forces françaises qui étaient là, il y avait les forces tchadiennes qui aussi qui étaient là. Et la Centrafrique a fait le coup. Et après, les gens de Wagner ont pu assurer une certaine protection pour le régime. Et ça fait, c'est devenu un cas d'école. Et les gens au Sahel se sont dit, mais nous aussi, on peut faire appel à ça. Et ils peuvent avoir ça. Maintenant, bien entendu, la Russie ne peut pas faire peut-être plus que ça. Parce que la Russie elle-même, je ne pense pas qu'elle ait la capacité et même la prétention de remplacer les acteurs occidentaux. C'est pas mal de sujets sur lesquels, en fait, ils ont plus de moyens, plus de capacités. Donc ça fait que quand les gens disent on veut diversifier, on veut profiter des possibilités qu'il y a, donc les gens comprennent que ce n'est plus l'hégémonie des puissances occidentales est en train d'être brisée par l'apparition de certaines puissances. Il y a la Russie, il y a également la Chine, d'abord, parce que c'est quand même l'acteur le plus important. Et la Chine a encore plus d'influence, que ce soit au Sahel ou en Afrique de façon plus globale que même la Russie, parce que la Chine est capable de faire une offre que la Russie n'est pas à mesure de faire. Notamment, les gens ont besoin d'investissements pour réaliser des grandes infrastructures. La Russie n'a pas cette capacité. Leur offre est essentiellement sécuritaire et sécuritaire pour les régions. Donc, c'est les autres qui sont en train de chercher. Maintenant, évidemment, en Occident, en général, il y a une certaine peur. Ils vont aller vers la Russie, la Russie gagne en influence, etc. Et quand on voit des manifestations à Bamako, à Ouaga, à Niamey, où les gens agitent le drapeau russe, on pense que donc il y a un peu partout des agents russes qui financent, etc. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est les gens eux-mêmes. Ces gens-là, parfois, ils n'ont jamais vu un russe, ils n'ont jamais rencontré. Ils ne peuvent même pas, peut-être pour certains, placer la Russie sur une carte, mais ils savent que la Russie est une puissance rivale de puissance occidentale, qui sont en conflit. Et donc, comme on n'est pas content de ces gens, on agite leur drapeau, on crie, on dit, bon, il faut aller vers la Russie, etc. Bon, c'est aussi une sorte de ressentiment, c'est une sorte de dépit qui est exprimé à travers ces manifestations-là. Donc, ce n'est pas qu'il y a des officines russes qui alimentent tout ça. Je ne dis pas qu'il n'y a rien du tout, mais je pense que ce n'est pas tout à fait le cas. Deux ans, en 2021, j'ai rencontré des chercheurs russes qui travaillent dans une sorte d'institut et donc qui essayaient de mener des recherches, des enquêtes. Ils étaient venus au Niger, ils devaient continuer au Burkina, ils devaient aller au... On discutait, on posait des questions. Et moi-même, j'étais curieux, j'ai dit, bon, écoutez, moi-même, j'ai quelques questions. Est-ce que vraiment la Russie s'intéresse à l'Afrique? Et quel est l'agenda de la Russie? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Quelle est leur politique, etc. Et ils m'ont dit, oui, comme toutes les puissances, tout le monde s'intéresse à l'Afrique, ça c'est certain. Mais que la Russie n'a plus la capacité de répondre à certaines choses. Et que l'intérêt de la Russie, c'est qui préoccupe principalement la Russie, il considère que c'est d'abord son environnement immédiat. Donc, ce qui se passe autour de la Russie, c'est ça qui les préoccupe. Mais l'intérêt qu'ils portent sur l'Afrique, ça leur permet aussi d'avoir une sorte de carte. Donc c'est un élément qu'ils peuvent mettre dans la négociation. Mais ce qui les préoccupe d'abord, c'est autour d'eux. Donc ils peuvent jouer la carte de l'Afrique, jouer un peu, déstabiliser. Voilà, vous nous emmerdez ici, on vous emmerde là.
et peut-être que ça va être un élément de discussion. Donc c'est un peu tout ça, il faut largement relativiser l'influence de la Russie. Il y a une demande de Russie, elle vient des Africains eux-mêmes, dans une certaine mesure, le font dans un jeu qui vise à opposer et voilà, à profiter des rivalités entre les puissances. C'est plus ça. Darf ich da vielleicht ganz kurz noch was zufügen, weil also ich bin mit vielen Einschätzungen teile ich, die Musa gerade vorgetragen hat, aber ich denke, dass es einen Aspekt gibt, auf den man doch nochmal hinweisen muss, und zwar dass das Engagement zum Beispiel der russischen Söldner auch sehr gravierende Konsequenzen hat für die Bevölkerung im Sahel. Also zum Beispiel in Mali gibt es Hinweise, dass russische Wagner-Söldner furchtbare Massaker begangen haben. Zum Beispiel in Mura, wo Human Rights Watch zufolge zum Beispiel 300 Personen aus der Zivilbevölkerung einfach hingerichtet worden sind. Und also Berichte von Folter, von sexueller Gewalt dringen immer wieder an die Öffentlichkeit, auch wenn das oft dann von den Regimen als westliche Propaganda abgestempelt wird. Aber ich denke, dass es schon wichtig ist, auch solche Konsequenzen durchaus auszusprechen. C'est plus ou moins réel. C'est-à-dire que les Russes ont commis beaucoup d'exactions, les gens de Wagner en Centrafrique, c'est documenté. Et au Mali, les Wagner commettent beaucoup d'exactions, c'est aussi plus ou moins documenté. Mais il faut dire que les exactions contre les populations civiles au Sahel n'étaient pas seulement le fait. Déjà, avant l'arrivée des mercenaires de Wagner, il y avait beaucoup d'exactions qui étaient commises contre les populations. Et c'est ça qui a aggravé la situation. Donc les armées nationales le faisaient déjà. Mais il y a du côté occidental, dans les médias, c'était moins documenté, on faisait moins écho à ça. Il y a quelques organisations qui essayaient de documenter, mais maintenant, en fait, dans les médias et tout, les gens sont plus alertes. On suit pas à pas ce que font les Russes en violence. Mais déjà, en fait, il y avait des exactions. Et même les armées occidentales ont eu à commettre aussi pas mal d'exactions. Donc ça, la question des exactions, c'est une question majeure. Et il faut vraiment évoquer cette question. C'est ça qui participe à aggraver la situation. Et c'est ça qui va faire que les armées du Sahel, quels que soient par ailleurs les alliés qu'ils vont amener, les Chinois, les Martiens, tous ceux qu'ils veulent, mais ces armées-là vont perdre parce qu'elles se comportent comme des armées coloniales, font des exactions contre les populations civiles, et toutes les exactions renforcent le camp du groupe armé. Tant qu'on est dans la conduite du conflit, on ne respecte pas les règles élémentaires du droit international humanitaire, et qu'on laisse, n'est-ce pas, le conflit prendre une autre tournure, celle d'un truc où on cible certaines communautés, et bien il n'y a pas de souci. Et ça va renforcer le groupe armé. Mais ça, c'est la problématique globale. Ça concerne aussi bien Wagner, mais ça concerne tous les acteurs du conflit. Il y a beaucoup d'exactions. Bien sûr, Wagner fait beaucoup, mais ils ne sont pas seuls dans ce rôle-là. Ja, vielen Dank an euch beide. Darauf können wir ja dann vielleicht auch einfach gleich in der Diskussion nochmal eingehen. Ich würde gerne nochmal ein bisschen auf einen anderen Punkt kommen, aber wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit achten, damit wir auch noch eben die Publikumsdiskussion dann durchführen können. Ich würde gerne nochmal was zu der Abschaffung des Anti-Migrationsgesetzes 2015-36 fragen. Genau, dieses Gesetz wurde 2015 ja auf Druck der EU hin, aber natürlich auch im Interesse der nigrischen Regierung verabschiedet, um Migration eben möglichst früh und möglichst weit weg von den EU-Außengrenzen zu verhindern und zu blockieren und vor allen Dingen zu kriminalisieren. Es kriminalisierte nicht nur die MigrantInnen selbst, die sich eben auf den Weg aus dem Niger weg begeben haben, über Agadez, sondern auch jegliche Unterstützung und Dienstleistungen
um diese Migration herum. Also das heißt, das Angebot von Schlafplätzen, von Transportmöglichkeiten, von Essen, von Wasser. Die Folgen waren natürlich gravierend, sowohl für die MigrantInnen selbst, die eben durch die Sahara reisen wollten und mussten, und aber auch für die Bevölkerung des Niger. Die Putschregierung hatte jetzt dieses Gesetz im November letzten Jahres aufgehoben. Genau, vielleicht kurz eine Antwort von dir, Moussa. Was denkst du darüber, dass dieses Gesetz eben gekippt wurde? Was steckt dahinter? Ja, vielleicht kannst du uns dazu kurz deine Meinung sagen. Und an Lisa würde ich dann danach die Frage richten, wie die Abschaffung dieses Gesetzes von der EU aufgefasst wurde, wie die Reaktionen hier innerhalb der EU waren. Bon, pourquoi les militaires ont suspendu, ont abrogé la loi? À mon avis, les militaires ont abrogé la loi en représailles aux mesures prises par l'Union européenne. Parce que l'Union européenne a condamné le putsch, a pris position en disant qu'elle ne reconnaissait pas les militaires et que pour elle, Bazoum est toujours le président, le seul président légitime du Niger. Et donc, ils ont pratiquement suspendu toute leur opération, leur aide, etc. Y compris d'ailleurs les appuis qui sont faits même pour des organisations. Et donc, en représailles à ça, les militaires se sont dit, ah mais tiens, ils font ça, nous, c'est qui les intéresse, eux, chez nous, c'est la question de la migration. On suspend, on abroge cette loi. Je pense qu'ils l'ont fait dans une démarche de représailles et peut-être aussi comme instrument de négociation. Parce que vous savez, la question de la migration est devenue finalement une ressource diplomatique, un ressort que les États essayent d'utiliser. On le voit déjà ici, comment la Turquie essaye d'instrumentaliser la question des migrants. On le voit sous d'autres contraintes. Et donc, ils essayent de faire pression avec ça. Ils savent que s'ils touchent à ça, les Occidentaux vont chercher à discuter. Tout comme la question des bases militaires. Les Américains, très tôt, vous le savez, dès qu'il y a eu le coup, ils ont condamné, etc. Mais quand, bon, les gens ont dit on va mettre les Français dehors, ils voyaient donc venir la chose les concernant, ils sont précipités pour engager une sorte de discussion et faire pression, que ce soit sur la CEDEAO ou sur toutes les organisations, pour que, en fait, il n'y ait pas d'action militaire ou il n'y ait pas certaines initiatives. Donc, très tôt, les Américains se sont engagés sur ça pour sauver leur base. Les Allemands font la même chose. Ils ont une petite base, comme maintenant ils se rêvent en puissance militaire, etc. Donc ils veulent avoir leur base, donc ils courent pour négocier. Donc on touche à la question de la migration. Ils se disent que ah, les Occidentaux vont dire ah, mais si on ne discute pas avec ces gens, si on ne les reconnaît pas, ils risquent d'ouvrir les barrières et les migrants vont venir en masse, etc. Je pense que c'est fait pour ça. C'est un élément de négociation. Et naturellement, dès que cette décision a été prise, c'est un peu la panique. Et on a commencé à dire ici, ah oui, mais c'est fini. C'était le pays qui jouait les gendarmes. C'est fini. Si ça tombe, c'est fini. Il y aura peut-être des milliers ou des millions de Sahéliens qui vont peut-être venir. Ce sont des peurs irrationnelles. Ils savent que ce sujet-là est important. Et ils jouent sur ça. Ils ne sont pas bêtes, en fait. Ils savent ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils jouent ça. Et ils vont utiliser cette carte-là jusqu'au bout, à mon avis. Mais ça ne veut pas dire que les militaires sont d'accord, comme nous, qu'il faut garantir la libre circulation des personnes, etc. Et du reste, on voit bien qu'ils sont un peu en contact avec le gouvernement parallèle de Haftar en Libye. Et vous allez voir le jeu qui va se faire. Il faut essayer d'étudier cette question-là pour faire un peu du chantage. Ils ont raison. Quand vous avez peur des choses dont il ne faut peut-être pas avoir peur, et vous ferons du chantage avec ça. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Ja, also meinen Informationen zufolge stand die Aufkündigung des sogenannten Antimigrationsgesetzes auch schon länger im Raum und wurde eben ganz klar als Verhandlungsmittel der nigerischen Militärregierung eingesetzt. Dass es dann letztendlich dazu gekommen ist, dass dieses Gesetz aufgekündigt wurde, sehe ich auch als direkte Reaktion auf den Beschluss der Europäischen Union, eigene Sanktionen auf den Weg zu bringen. Ja, die Reaktion, Musa hat es gerade schon angesprochen, hier wurden damit Ängste geschürt. Es wird von sogenannten Migrationsströmen gesprochen, die jetzt nach Europa kommen würden mit der Aufkündigung des Gesetzes. Dass Deutschland und Europa sich im Niger engagiert haben, war einerseits ja, ein Thema, war der Kampf gegen dschihadistische Gewalt, aber eben auch die Eindämmung der Migration. Was dabei hierzulande aber vor allem nicht beachtet wird, ist, dass erstens die Migration auch nach 2015, also nach der Verabschiedung dieses Gesetzes, nicht aufgehört hat, sondern dass Migrantinnen und Migranten dazu gezwungen wurden, viel unsichere und gefährlichere Routen durch die Sahara eben fernab der kontrollierten Routen zu nehmen. Natürlich auch gibt es keine Zahlen, wie viele Menschen diese Routen genommen haben. Also das insofern, ja, denke ich, ist das ein Aspekt, der hierzulande nicht mitgedacht wird. Und das Zweite ist, dass eben viele Migrantinnen und Migranten gar nicht unbedingt nach Europa kommen wollen, sondern vielmehr die nordafrikanischen Küstenländer als zum Ziel haben, weil sie auf der Suche nach Arbeit sind und diese Länder auch sehr stark immer schon auf Arbeitsmigration aus den südlichen Ländern gesetzt haben. Hierzulande sieht man das eben als Bedrohung. In Agadez wird es eher als Chance aufgefasst. Also die Konvois finden jetzt wieder statt, jeden Dienstag vom Militär begleitet. Starten Konvois Richtung Libyen. Die Migrantinnen und Migranten zahlen Steuern, also es ist alles reglementiert als Aktivität wieder aufgenommen worden und da profitieren natürlich auch die lokalen Ökonomien davor, die halt vorher kriminalisiert worden sind. J'ai oublié de mentionner que hier même j'ai oublié de mentionner cela à Berlin, parce que la question avait été évoquée, c'est que la loi était en train d'être révisé déjà sur le régime de Bazoum. Ça, les gens ne le savent pas. Parce qu'il y a quand même tout le travail que nous avons fait pendant des années, nous, les organisations de la société civile, que ce soit à Niamey, à Agadez et dans d'autres contrées. Cette loi a été vivement critiquée, dénoncée, y compris par des élus locaux, notamment dans ma région d'Agadez. Donc il y a un processus de révision de la loi qui était en cours. Déjà, avant le coup d'État, il y a eu des réunions, des ateliers organisés par le gouvernement lui-même et avec des partenaires, parce qu'en fait, cette loi-là, elle ne s'appliquait que dans la région d'Agadez. C'est une loi nationale, mais elle ne s'appliquait que là-bas. Et donc, ça a suscité beaucoup de frustration dans cette zone-là, qui a connu déjà des rébellions et tout. Et l'intérêt de l'État du Niger, c'est aussi de faire en sorte que, voilà. Donc il y avait déjà un certain processus qui était enclenché de révision de la loi. Déjà même sous Bazoum. Et on allait plus ou moins aboutir à une révision, je ne sais pas de quelle ampleur, mais en tout cas nous on avait fait pas mal de propositions, il y a eu des discussions pour faire cette révision. Donc les militaires, après, évidemment, comme je l'ai dit, encore une fois, ils se sont saisis du sujet et ils ont fait cette pression-là. Et c'est la même chose, même sur la question de la Russie, ils ont la même démarche. Si vous écoutez les premiers discours des autorités, notamment de leur premier ministre qui lui est civil, c'était de dire, bon, si vous ne voulez pas qu'on aille, pour le moment, nous n'avons pas le projet d'aller vers la Russie. Mais bon, si en tout cas vous ne faites rien, en tout cas, si vous ne voulez pas qu'on aille, il faut faire quelque chose. Donc c'était à ce niveau-là. Et d'ailleurs, jusqu'ici, le Niger, ils ont fait le déplacement, ils ont fait quelques rencontres, etc. Mais il n'y a pas encore les éléments de Wagner. Et la junte elle-même est divisée sur la question. En fait, c'est aussi un élément de chantage. S'il n'y a pas la normalisation avec les Occidentaux, ils menacent d'aller de l'autre côté.
Ja, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt. Wir würden jetzt dann zur Publikumsdiskussion kommen. Vielen Dank erstmal an euch beide. Nochmal ein kurzer Punkt bezüglich der Übersetzung. Es wäre wichtig, wenn ihr sprecht, dass ihr einfach kurz sagt, ob ihr auf Deutsch oder auf Französisch sprechen möchtet. Genau, dass unsere Übersetzung sich darauf einstellen kann. Und bitte versucht, möglichst nicht so schnell zu reden. Das wäre auch sehr freundlich. Ja, genau. Also, the floor is open. Ich würde eine kurze Liste machen und dann gucken wir eben. Aber genau, die Person hier vorne hatte sich gemeldet. Bonsoir. Bonsoir. Ich rede aber trotzdem auf Deutsch weiter. ja, ich habe zwei Fragen. Die eine ist, soweit ich weiß, hat ja unter dem Regime von Bazoum, haben ja auch einige Inhaftierungen von Oppositionellen stattgefunden. Das sind ja dann nun eigentlich diejenigen, die jetzt quasi freigelassen werden müssen. Wie steht es darum? Das ist die erste Frage. Die zweite ist, ich bin in einer Lehrerbildungsgewerkschaft und immer im Kontakt auch mit nigrischen Gewerkschaftern, die mir auch, also Kollegen, die mir auch berichten, wie das Schulsystem natürlich unter den Sanktionen leidet. Jetzt sind ja von der ECOWAS die Sanktionen aufgehoben worden, aber die Sanktionen von der EU und so weiter bestehen noch. Wäre es mir auch nochmal wichtig zu wissen, ob Sie mehr wissen als das, was schon berichtet wurde, inwiefern das Schulsystem leidet, dass weniger Kinder zur Schule gehen können, dass sie weniger beschult werden, wie sich das konkret äußert und wie versucht jetzt, wie gesagt, die Militärregierung das irgendwie zu kompensieren oder wie wird damit umgegangen? Okay, sammeln wir noch eine Frage mehr und dann können wir die Fragen beantworten. Dankeschön, ich frage auf Deutsch und es wären zwei Fragen, ist das in Ordnung? genau, also die erste Frage ist zu dem jetzt aufgekündigten Antimigrationsgesetz. Soweit ich weiß, hat das Gesetz ja auch stark in dieses Personenfreizügigkeitsabkommen der ECOWAS eingegriffen. Das heißt, das hat quasi die EU-Migrationspolitik hat quasi diese ECOWAS-Freizügigkeit auch in einer gewissen Art und Weise delegitimiert. Ich muss langsamer reden, Entschuldigung. genau, und dazu die Frage, wie verhält sich das jetzt mit dem Austritt aus der ECOWAS auch in Bezug auf die Personenfreizügigkeit in der ganzen Region? Die zweite Frage ist in Bezug auf das ehemalige Bazoum-Regime, das ja auch wirklich stark versucht hat, gerade mit Eliten in dem Norden zusammen zu kooperieren, vor allem in Bezug auf Tuareg-Eliten im Norden und auch sich so erst an der Macht halten konnte. Meine Frage ist, wie ist da jetzt die neue Militärregierung aufgestellt? Gibt es da auch Kooperationen, beziehungsweise wie wird versucht, die Macht zu sichern? Dankeschön. Okay, dann gehen wir erstmal zur Beantwortung der ersten zwei Fragen über. Musa, möchtest du die beantworten? Also die erste Frage war, inhaftierte Personen unter dem Regime Bazoum, Oppositioneller, ob die jetzt freigelassen werden. Wenn ich es richtig verstanden hatte, hatte sich das auch nicht aufs Antimigrationsgesetz bezogen, sondern allgemein, ne? Also die Verhaftung Oppositioneller. Äh,
Il y a eu, au cours des 13, 12 dernières années, il y a eu beaucoup d'arrestations. Bon, et évidemment, la plupart des arrestations ont eu lieu davantage les 10 dernières années. Et donc, un peu moins de 2 ans et demi de Bazoum. Ceux qui ont été arrêtés pendant le régime de Bazoum, notamment quelques acteurs de la société civile, mais aussi des gens de l'Union Tshilabéré, c'est-à-dire eux, ils ont été libérés très tôt. Sauf quelques militaires qui étaient soupçonnés d'avoir participé à des tentatives de coup d'État sous le régime de Bazoum. Donc eux, ils ont été libérés. Les gens qui ont été arrêtés sous le régime d'Issou, avant donc l'arrivée au pouvoir de Bazoum, sont restés pour l'essentiel en prison. Est-ce que vous voyez ça? Donc ceux qui ont été arrêtés par Bazoum ont été libérés par les militaires, mais ceux qui ont été arrêtés sous le régime de Issou ne le sont pas encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Issou qui est derrière le coup d'État. L'ancien président, qui est du même parti, qui a soutenu Bazoum pour être président, c'est lui qui est vraiment un des acteurs du coup d'État. Et donc, les gens que lui, il a mis en prison, pour la plupart, n'ont pas été libérés. Certains avaient été libérés sous le... Bazoum avait libéré quelques-uns. Mais les militaires sont, eux, restés... Il y a des gens qui étaient impliqués dans les différentes tentatives, sont restés encore en prison. Donc, le seul opposant qui a été... libéré, c'est Hamamour. Il était en prison, c'était une des figures de l'opposition. Il était en prison, après il était dans des soins en France pendant longtemps. Et donc finalement sa prison a été transformée en une sorte d'exil. Son parti négociait aussi plus ou moins avec Bazoum. Et donc ils l'ont laissé plus ou moins en prison. Lui, il est revenu au pays et il a bénéficié d'une liberté provisoire. Voilà ce qui s'est passé. Donc, et il faut dire que, en réalité, la politique de Bazoum a été une politique de plus ou moins de décrispation, pour l'essentiel, dans ses rapports avec les opposants, mais aussi dans ses rapports avec le reste de la société civile, parce qu'il a quand même offert plusieurs fois des possibilités de discussion. Ça, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Maintenant, vous avez posé la question sur le système scolaire. Bon, le système éducatif au Niger est en crise. Parce que pendant longtemps, le financement public ne faisait que diminuer. Tous les 10 ans, là, c'était vraiment l'éducation ne bénéficiait pas du financement suffisant. Et c'est que sur le sujet de l'éducation, Bazoum a essayé de remettre la question comme priorité, la question de l'éducation, en mettant l'accent sur la scolarisation des filles. C'était ça son programme, et il voulait créer des internats pour les jeunes filles, pour encourager leur scolarisation, parce que beaucoup de jeunes filles ne vont pas à l'école très loin, parce que justement, quand elles quittent leur village pour venir dans un centre, il y a le problème des tuteurs, etc. Il fallait les mettre. Donc c'était un peu ça son projet. Lui, il a essayé de remettre la question de l'éducation au centre de ses préoccupations. Bon, malheureusement, évidemment, avec le putsch, il y a des appuis qui étaient attendus pour des secteurs de l'éducation qui ne viennent plus. Et l'éducation est impactée également par le conflit, parce que des centaines d'écoles sont fermées, notamment dans les zones qui sont affectées par le conflit. Quand vous prenez dans la région de Tshilabéré, et même dans certaines régions de Tifa, des milliers d'enfants ne vont plus à l'école. Parce que les écoles sont aussi des cibles du groupe djihadiste. Ils sont contre l'éducation dite occidentale. Ils menacent les enseignants, etc. Donc beaucoup d'écoles sont fermées. Ce que les militaires ont essayé de faire, c'est de dire, bon, on va réouvrir les écoles là où elles étaient fermées, mais pour réouvrir les écoles et les faire fonctionner, il faudra assurer la sécurité des enseignants.
c'est que en fait, sur le plan pratique, il n'est pas facile de faire cela. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur cette question-là. Maintenant, la question des élites du Nord. Je laisse la question peut-être de la CEDEAO à Lisa. Je vais répondre à la question du Nord. Comme vous le savez, le Nord du Niger a été le théâtre souvent de rébellions depuis les années 90. Et le Niger a essayé un peu de gérer ces rébellions-là avec plus ou moins de bonheur, en tout cas un peu mieux que par exemple le Mali. Et Issou, déjà quand il est arrivé au pouvoir en 2011, il a compté comme premier ministre une personne, une figure du Nord, qui est restée comme premier ministre pendant 10 ans, avec pour tâche justement de contribuer un peu par ses relations, par sa politique à une sorte de pacification. Et ça fait que les gens avaient beaucoup de craintes que la situation sécuritaire, avec le conflit en Libye, l'intervention de l'OTAN, tout le monde craignait que le nord du Niger rentre en rébellion. Il ne s'est pratiquement rien passé, si vous avez remarqué. Parce que justement, il y avait une personnalité qui essayait de négocier ça. Bon. Après, Bazoum est arrivé, il avait aussi sa connexion avec certains groupes. Bon. Les militaires, maintenant qu'ils sont arrivés, en fait, à mon avis, certaines des personnes qui étaient déjà dans le réseau des Issou tout ça continuent à être encore impliquées. Et donc finalement, pour le moment, on peut estimer que probablement que la dynamique de consensus, etc., va plus ou moins se poursuivre. Et dans la junte, il y a une figure du Nord qui a été portée et qui se trouve d'ailleurs être l'aide des camps du premier ministre Brigitte, qui lui-même est proche de Issou. Issou qui, d'une certaine manière, tout le monde le dit, c'est maintenant un secret de corruption et de guerre. Donc je pense que les militaires vont aussi maintenir ça, ils vont poursuivre ça. Ils ne vont pas accepter, mais ça n'exclut pas, il n'est pas exclu que le Nord rentre aussi en définition, c'est pas exclu. On est au début de quelque chose, on n'est pas à la fin de quelque chose, donc on ne sait pas ce qui peut encore arriver. Voilà. Ja, ich würde da ganz gerne noch zwei Punkte da hinzufügen, und zwar die Frage nach den Verhaftungen. Man denke ich vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass auch die Militärregierung ganz gezielt Menschen auch wieder freigelassen hat, die vorher unter Bazoum eben verhaftet wurden, also Akteure aus der Zivilgesellschaft, und die jetzt eine zentrale Rolle gespielt haben, die Demonstrationen, die Pro-Putsch-Demonstrationen zu organisieren und die Bevölkerung zu mobilisieren, die zum Beispiel mit die Checkpoints organisiert haben, die Zivilgesellschaft organisiert hat, um sich einer potenziellen Intervention der ECOWAS entgegenzustellen. Wurde zum Beispiel ein Anführer der M-Sassondö-Bewegung, Abdoulaye Seydou, der wurde kurz nach dem Putsch wieder freigelassen und hat eine zentrale Rolle da gespielt. Also das finde ich auch eine ganz interessante Dynamik noch, die man vielleicht noch ergänzen kann. Ansonsten die Frage von Issoufou hatte Musa gerade schon angesprochen und das Verhältnis mit den Bevölkerungen im Norden. Ich denke auch, wie Musa schon gesagt hat, da ist noch nichts entschieden, weil gerade die Frage, welche Rolle Issoufou gespielt hat, das wird sehr, sehr stark diskutiert im Niger. Es gibt sehr, sehr viele Teile der Bevölkerung, die fordern, dass Issoufou auch angeklagt wird, die Bazoum eigentlich mehr als Handlanger von Issoufou gesehen haben. Die jetzt enttäuscht sind eigentlich, die vorher Hoffnung in den Putsch hatten und die jetzt enttäuscht sind, weil Issoufou eben weiterhin sich frei bewegen kann und da anscheinend nichts zu befürchten hat. Und das ist durchaus ein Thema, was sehr, sehr heiß diskutiert wird in Niger und wo die Dynamik sich auch noch verschieben kann, denke ich.
Zu der Frage der ECOWAS, ich denke, Musa, du kannst mich auch nochmal ergänzen. Auf jeden Fall, wenn es denn wirklich zu einem Austritt kommen sollte, also das wurde jetzt angekündigt, dass die Länder austreten wollen, aber das wäre, wenn das dann wirklich offiziell eingeleitet wird, dauert das noch ein Jahr, bis es wirklich effektiv der Fall ist, so ein Austritt. Das hätte natürlich sehr, sehr schwerwiegende ökonomische und auch soziale Konsequenzen, die man, glaube ich, jetzt auch noch gar nicht so ganz klar abschätzen kann, weil das auch davon abhängt natürlich, was für andere Arrangements dann gefunden werden. Ich denke, dass es auf jeden Fall auch so zu bewerten ist, dass es auch ein Druckmittel ist, was eingesetzt wird von der Militärjunta. Wir haben auch gesehen, dass nach dieser Ankündigung auch von Seiten der ECOWAS die Sanktionen aufgehoben worden sind, wobei die Militärjunta da jetzt noch gar nicht groß darauf reagiert hat. Also es gab jetzt auch kein öffentliches Statement, was irgendwie auf diese Aufhebung der Sanktionen Bezug genommen hat. Die Grenze zu Benin ist weiterhin geschlossen. Also man sieht jetzt nicht, dass da irgendwie von nigrischer Seite die Bereitschaft da ist, da weiter in den Dialog zu gehen. Aber ich denke auch, dass da nicht das letzte Wort gesprochen ist und dass man schauen muss, wie das weitergeht. Aber Musa, du kannst vielleicht da auch noch was zu ergänzen. Ici, la CEDEAO fait l'objet de beaucoup de critiques. Il y a des critiques qui sont fondées, légitimes, on comprend. Il y a d'autres qui sont parfois exagérées. Mais la CEDEAO a réalisé quelque chose d'important, c'est la libre circulation. C'est consacré par un protocole, la libre circulation des personnes et des biens. Ça, c'est vraiment un acquis et qui date d'une quarantaine d'années à l'échelle de la CEDEAO. Et ça inclut le droit d'établissement des personnes dans les pays, tout ça. Les gens se déplacent, etc. Bien entendu, la libre circulation connaît aussi des entraves dans la réalité. Des entraves liées au fait que, évidemment, les forces de police, etc., sont très corrompues, font beaucoup de raquettes contre les personnes qui se déplacent. C'est-à-dire que quand vous venez à la frontière du Bénin, vous voulez traverser, évidemment, les agents peuvent vous demander de l'argent. Si vous allez à la frontière avec le Nigeria, etc. Mais c'est en violation, mais c'est à beaucoup de tracasseries. Et ces tracasseries participent à rendre le déplacement des personnes difficile. Et d'ailleurs, le Niger, en faisant sa loi qui a été abrogée là, allait à l'encontre, plus ou moins, du protocole de la CEDEAO. Parce que c'est comme si le Niger, comment dirais-je, ramenait sa frontière à Agadez. Et que donc, tout ce qui est au nord d'Agadez, c'est comme si ça ne faisait pas partie du territoire de la CEDEAO. Parce qu'à partir d'Agadez, si vous êtes Burkinabé, vous êtes Malien, vous êtes Sénégalais, vous êtes Guinéen, et vous voulez aller au-delà d'Agadez, mais vous devenez suspect, on vous empêche de circuler sur une partie du territoire du Niger. C'était déjà contraire. Mais on le faisait parce que, bon, on pense pouvoir tirer profit auprès de l'Union européenne. Mais sinon, bon, évidemment, si le Niger, le Burkina et le Mali sortent de la CEDEAO, ça va avoir des conséquences parce que les ressortissants dans les autres pays vont devoir donc se soumettre à l'obligation d'avoir des cartes de séjour, etc. Et donc, ils ne peuvent plus s'établir comme ils le faisaient avant. Donc, ils devenaient pratiquement des migrants plus ou moins irréguliers. Et c'est quand même des conséquences. Le Burkina a des milliers de gens qui sont établis, qui vivent en Côte d'Ivoire. Le Niger a des milliers de gens qui vivent au Nigeria, en Côte d'Ivoire, dans les autres pays. Évidemment, le retrait de la CEDEAO, c'est quelque chose d'assez discutable. Voilà. Mais les juntes ont décidé qu'elles se retiraient de façon unilatérale parce que la CEDEAO exerçait une certaine pression pour un retour à la démocratie. Et pour les militaires, ce n'était pas acceptable. Et en ce qui concerne le Niger, ils ont menacé aussi d'intervention militaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement au Niger, même pour le Mali, il y a eu ces menaces-là qui n'ont jamais été exécutées. Donc, la CEDEAO tend aussi à devenir une sorte de bouc émissaire. Et on pense que la CEDEAO prend ses ordres à Paris. C'est un peu ça le narratif. Or,
les Français peuvent avoir une certaine influence, peut-être sur certains pays de leur précaré, mais on ne s'imagine pas les Français avoir une telle influence, donner des ordres au Nigeria, qui est quand même, voilà, ou à tous les autres pays anglophones. Bon, il y a beaucoup de choses fausses. Ce n'est pas une bonne idée de quitter la CEDEAO. La CEDEAO, il faut participer à l'améliorer. Nous, on était déjà critiques sur la CEDEAO parce que le modèle d'intégration promu par la CEDEAO, c'est le même type, c'est le même que celui de l'Union européenne, avec ses critères de compétition, etc. C'est l'intégration suivant un modèle néolibéral. La même façon que les forces progressistes ici, de gauche, critiquent le modèle d'intégration de l'Union européenne, de la même façon, nous aussi, on critiquait ça. Mais la CEDEAO est l'organisation d'intégration la plus avancée en Afrique. Vous n'avez pas, dans aucune des régions d'Afrique, vous n'avez une organisation de l'envergure de la CEDEAO avec des instruments, avec une organisation et des instruments, y compris sur la question, pas seulement économique, etc. Et avec le projet de créer aussi une monnaie, même si le projet a été plus ou moins saboté, et tout ça, quoi. Donc voilà. Saboté par qui? Oui, mais c'est saboté par la France. Voilà. Voilà, oui. Bon, c'est saboté par la France, mais la France exerce son influence sur certains pays de son précaré. Mais ce n'est pas sur le Nigeria. Ce n'est pas par le biais du Nigeria. On sait qui la France a actionné pour saboter les choses. Donc moi, je ne suis pas en train de dire que la France n'exerce pas une certaine influence sur certains des pays. Je suis en train de dire simplement qu'on exagère son influence. Et que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes capables, on ne peut pas tout mettre sur le dos seulement de la France. Il faut aussi qu'on relativise un peu l'influence qu'ils peuvent avoir. Et du reste, on a vu avec ce qui se passe au Niger, que les gens, certains dirigeants africains, qu'on pense être des balais et voilà, des zélés de la France, sont aussi capables de faire prévaloir leurs intérêts. Aujourd'hui, les Français sont dépassés, ils n'en reviennent pas. Que Issou, qui est considéré comme un des alliés, les Occidentaux de façon générale, c'est lui qui a ouvert toute la voie pour les faire installer, c'est lui qui leur a donné toutes les facilités. Mais quand ses intérêts à lui sont plus ou moins menacés, il a quand même pu faire ça. Donc, en fait, en Afrique, vous n'avez pas des gens qui sont des valets inconditionnels jusqu'au bout de certains trucs. Les gens font aussi valoir leurs intérêts, en fait. Ils sont capables de rupture quand leurs intérêts à eux sont plus ou moins touchés. Cette marque de marché, Youssou a pu faire ce qui se passe chez nous. Ben, écoutez, tous les autres, voilà. Il n'y a pas d'inconditionnel. Et peut-être, ce que les Occidentaux doivent d'abord comprendre, c'est qu'en vérité, chacun essaye de ruser aussi. Voilà. C'est parce qu'ils ont quelques intérêts qu'ils le font. Ça, c'est la grande leçon qu'on doit retirer de tout ce qui est en train de se passer. C'est qu'il n'y a pas d'inconditionnel et que les Africains savent faire valoir aussi leurs intérêts, même les dirigeants. Danke. Lisa, wolltest du da noch irgendwas zu sagen? Weil sonst würde ich noch eine neue Frage dazu holen. Ja, nee, wir können gerne eine neue Frage. Vielleicht nur ein Punkt, den man vielleicht nochmal sich vor Augen führen muss, ist, dass viele in Niger oder im Sahel generell sind eben abhängig von dieser, also ökonomisch abhängig von dieser grenzüberschreitenden Aktivitäten, also zum Beispiel die mobile Viehzucht, die Transhumanz ist ein Aspekt, ja, von dem viele Ländler an den ländlichen Gebieten abhängig sind und das ist eine ökonomische Aktivität, die eben nicht an den Landesgrenzen aufhört. Es gibt auch sehr, sehr viele saisonale Arbeiter, die halt ja, für eine gewisse Zeit des Jahres in die Küstenländer gehen, um dort zu arbeiten und dann wieder zurückzukommen. Also ich denke, wenn es da keine Abkommen mehr geben würde, wäre das auf jeden Fall, hätte das sehr, sehr schwerwiegende Konsequenzen für einen Großteil der ländlichen Bevölkerung. Ja, vielen Dank. In Hinblick auf die Uhrzeit, seit 20 nach 8, würde ich gerne auf jeden Fall noch eine Frage mit reinnehmen, aber bitte nur eine Frage jeweils stellen, weil es ist ein bisschen sonst sehr lang.
Hier der Herr in der vorderen Reihe erstmal und dann der andere Herr noch in der zweiten Reihe. Dann. So ein. Ja, eine Frage auf Deutsch. Betrifft den Bodenschatz Uran. Was ist daraus eigentlich geworden? Wird Uran noch abgebaut? Wenn ja, wer baut ab? Und wer wären die Abnehmer? Je vais poser ma question en français. Je voudrais savoir, compte tenu du consensus avec le nord du Niger, c'est-à-dire les populations touaregs du nord, qu'il y a une certaine sécurité, je voudrais savoir comment est la sécurité en général dans tout le pays, sur le plan militaire surtout, et voir à partir d'une certaine paix générale, comment contribuer avec les pays voisins comme le Mali et le Burkina Faso afin de bâtir un petit noyau d'une Afrique qui se sentira réellement libre et tracer une voie comme à l'image de l'Union européenne qui avait commencé avec 3 pays et essayer de créer un noyau qui puisse contribuer à un développement proprement africain et assouvir nos espoirs. Je vais poser ma question en français aussi. En quoi le Niger est un exemple pour les autres pays de l'Afrique de l'Ouest en tant que pour se faire indépendant de la France ou un peu comme le printemps arabe peut-être voilà. Bon, vous avez posé vraiment de très bonnes questions. Bon, l'uranium continue à être exploité. Et le principal exploitant de l'uranium, c'est la France, à travers Areva. Mais il y a aussi d'autres compagnies qui sont arrivées. Il y a une compagnie canadienne, il y avait aussi une compagnie chinoise, etc. Donc, l'uranium continue à être exploité. Bon, bien entendu, avec la période des sanctions, l'exploitation était devenue probablement un peu plus difficile. Mais l'uranium continue à être exploité. Et le principal opérateur, c'est Areva. Les Chinois sont intéressés. Alors, sur la question de la sécurité dans le pays, évidemment, la situation sécuritaire, depuis le coup d'État, ne s'est pas améliorée. Ne s'est pas améliorée, au contraire, il y a eu une certaine dégradation de la situation sécuritaire. Il y a eu pas mal d'attaques après le coup d'État. Il y a eu beaucoup de morts, tout ça, et ça continue. Bon, naturellement, c'est moins médiatisé. Parce que les gens ont peur parfois de rappeler certains incidents, mais il y a quand même beaucoup d'incidents. La situation reste critique dans l'ensemble du pays. Et il y a même eu des attaques dans des zones où... il n'y avait pas eu des attaques, comme par exemple la région du Douso, il n'y avait pas eu beaucoup d'attaques. Il y a eu des attaques là-bas. Donc aujourd'hui, au Niger, pratiquement, une des seules régions qui n'a pas fait l'objet d'attaques, c'est un peu la région des Zemmer au centre. Mais en tout cas, beaucoup de régions sont concernées par les attaques du groupe djihadiste. Dans certaines zones, ce sont des attaques des bandits armés. À l'est, vous avez Boko Haram, ça ne s'est pas terminé encore, ça continue encore à faire des dégâts. Et même dans la région nagadaise, mon propos n'est pas de dire qu'il n'y a pas d'attaque, qu'il n'y a pas l'insécurité. Il y a également l'insécurité même dans la région nagadaise, et il y a un nouveau mouvement armé qui s'est mis en place récemment. Mais ce n'est pas du tout avec. Ce sont, pour l'essentiel, quelques éléments tout bouts.
Donc même à Agadez, il y a une certaine insécurité. Et la probabilité que l'insécurité reprenne reste encore là. Voilà, donc ça c'est ça. Maintenant, face à cette insécurité, l'intérêt des trois pays qui sont concernés, et même des autres, c'est de conjuguer leurs efforts, n'est-ce pas, pour faire face. Parce que les groupes armés ne relèvent pas d'un seul pays, ce sont des groupes transnationaux. Si on veut faire la guerre à ce groupe, on ne peut pas le faire à l'échelle d'un seul pays. Si on veut faire la paix avec ce groupe aussi, on ne peut pas faire la paix avec ce groupe à l'échelle d'un pays. Parce que ce sont des groupes transnationaux qui ne reconnaissent pas les frontières héritées de la colonisation. Ils sont donc dans une démarche de remise en cause de ça. Ils ne revendiquent pas un territoire. Vous avez des mouvements irrédentistes qui revendiquent un territoire, c'est par exemple les mouvements du nord du Mali. On sait que les gens, les mouvements Touareg, etc., et pas seulement Touareg, mais les autres du nord, ils réclament l'indépendance de l'Azawad. Donc il y a un territoire bien précis qui revendique sur lequel ils veulent établir leur propre État. Mais les groupes armés djihadistes veulent prendre le pouvoir dans l'ensemble de la zone et installer un État islamique qui ne reconnaît pas les frontières, c'est-à-dire dont le contour ne va pas recouvrer le contour, les mêmes contours que les frontières étaient de la côte. C'est ça leur projet. Donc l'intérêt des pays, c'est de conjuguer leurs efforts. Et avant le coup d'État, évidemment, les pays n'étaient pas sur la même longueur d'onde quant à l'attitude à adopter et quant aux alliés avec lesquels il faut faire ce combat. Donc, tant qu'il n'y avait pas de coup d'État au Niger, je pense que c'est avec ses alliés, le gouvernement de Bazoum, considère que c'est les Français, les Américains, etc., les Allemands qui sont leurs alliés. Tandis que au Mali et au Burkina, eux, ils considèrent que ces gens-là ne peuvent pas être des alliés, qu'ils font partie du problème et qu'il faut aller chercher les alliés, d'autres alliés, notamment les Russes, pour mener le combat. Et donc, eux, ils ont été les premiers à mettre les Français dehors. Et les Français sont venus s'installer au Niger et en disant, bon, on va changer d'optique, on tire des leçons de ce qui s'est passé au Mali, on va opérer différemment, mais on va travailler ici. Et le Niger considère que, bon, ils sont encore utiles, n'est-ce pas? Et donc, les trois pays ne pouvaient pas coopérer parce que les partenaires avec lesquels ils veulent mener cette lutte, aucun des partenaires ne veut être avec l'autre. Pour les Français, les Américains, il n'est pas question de cohabiter avec les forces russes. Et donc, les pays ne pouvaient pas coopérer. Maintenant qu'il y a le coup d'État, évidemment, tous s'entendent pour dire, bon, on met les Français dehors, s'entendent dans une certaine mesure qu'il faut faire peut-être appel aux Russes. Et donc, ils essayent de conjuguer, c'est ça. Ils ont créé l'AES. Après, récemment, ils ont dit qu'ils vont mettre en place une force conjointe. Avant, ce qu'il y avait, c'était le G5. C'est une initiative qui vient de la France. N'est-ce pas? Pour un peu saborder ce que la CEDEAO pouvait entreprendre. C'était aussi ça, la politique de la France. La France a poussé à ce que les pays du Sahel se regroupent dans une nouvelle organisation qu'on a appelée le G5 Sahel, avec la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso. Et le G5, son projet, c'est de mettre en place une force conjointe qui va être financée sous les chapitres 7 de la Charte des Nations Unies, qui va bénéficier des financements. Ils ont cherché des financements, ils n'ont jamais eu, parce que dès le départ, les Américains ont considéré que ça, c'est un projet français et ils ne rentrent pas là-dedans. N'est-ce pas? Et donc, le G5 Sahel n'a jamais pu mobiliser les 400 et quelques millions, je ne sais pas si c'est 800, à quoi près de 800 millions d'euros qu'il réclamait pour mettre en route. Le G5 s'est sabordé dès qu'il y a eu coup d'État et tout. Finalement, il ne restait que deux pays, le Tchad et la Mauritanie. Et donc là, c'est mort comme ça. Mais déjà, le G5, sa création, c'était un peu pour contrer les initiatives de l'Algérie, mais aussi pour empêcher que la CEDEAO prenne à main le dossier du Sahel. Les Français ont œuvré à empêcher ça.
Bon, maintenant, il y a l'AES qui se met en place et les trois pays disent qu'ils veulent aller vers une confédération, se retirent de ça et les jeunes militaires adoptent un discours souverainiste, etc. Bon, on veut avoir notre indépendance, on va construire un noyau, etc. Bon, on peut prendre au sérieux si on veut, mais on peut aussi s'interroger sur ça. Et quelle est la capacité des trois pays à faire avancer sur ça? Est-ce que tout le monde s'entend réellement, etc. On peut poser beaucoup de questions, mais leur idée, c'est de dire on va créer l'AES et on va aller vers quelque chose de différent. On va se séparer de tout ça, etc. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et leur idée, c'est même de dire pour la prochaine étape, après le retrait de la CEDEAO, ça sera peut-être le retrait du Lyon-Moi, la création d'une monnaie, etc., etc. Les militaires le disent, ils le disent, et ça crée l'espoir dont parlait Lisa tout à l'heure, parce que, bon, évidemment, il y a ce désir de souveraineté, cette volonté de ne plus dépendre des grandes puissances, de s'affirmer, n'est-ce pas? Bon, c'est réel, mais bon, est-ce que c'est vraiment ça que les militaires veulent faire, ou bien c'est un discours simplement populiste? Ils ont juste compris que ça correspond à une certaine attente de la population et ils essayent d'appuyer sur ça. Pour le moment, et au vu de ce qui s'est fait, moi je n'accorde pas beaucoup de crédit à ça. C'est une belle idée peut-être, mais c'est une belle idée qui peut mourir aussi d'une belle mort. Parce que il y a des crises, il y a une situation difficile. Il n'est pas sûr aussi que les militaires entre eux-mêmes peut-être s'entendent. Vous savez, au Burkina, chaque fois on parle de tentatives de coup d'État. N'est-ce pas? Vous entendez parler. Au Mali, il y a quelques clivages. Au Niger, même les gens qui soutiennent, beaucoup de gens qui soutiennent la jeune, ils soutiennent la jeune dans l'espoir que ce premier coup d'État va ouvrir la voie à un second. Et donc, pour le moment, les militaires ne sont pas encore clairement assis pour qu'on puisse dire que, voilà, c'est ça leur projet, ils veulent s'asseoir durablement. Mais est-ce qu'ils vont le réussir? Est-ce qu'il n'y aura pas une remise en cause? Soit des nouveaux coups d'État qui peuvent aller soit dans le sens d'un retour à la démocratie, soit dans le sens aussi d'un renforcement du régime militaire. Au Burkina, c'est ce qui est arrivé. Le second coup d'État a ouvert davantage la voie, a fermé plutôt la possibilité d'une transition. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et il pouvait être sûr que certainement il y a beaucoup de forces à l'œuvre et que ça ne sera pas une œuvre facile. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Lisa, du möchtest, glaube ich, auch noch was dazu sagen. Kannst du auch noch mal auf die dritte Frage ein bisschen eingehen? Also noch mal so diese Frage nach, sozusagen, ist jetzt schon der dritte Putsch, also oder Mali, Burkina Faso, Niger, muss man jetzt noch was anderes erwarten sozusagen in, von anderen Ländern, dass da auch irgendwas passiert? Steckt dieses Klima von ja, der Neosouveränität an sozusagen? Also das war jetzt hier noch mal die dritte Frage, ob du da auch noch mal ja, ich glaube, das muss man so ein bisschen auseinanderdröseln und darf man auch nicht miteinander verwechseln, auch wenn es natürlich zusammenhängt. Also einerseits gibt es natürlich diese große Bestreben nach mehr Unabhängigkeit, nach mehr Souveränität, nach ja, diese Hoffnung, irgendwie die eigene Geschichte mehr in die eigene Hand zu nehmen. Und das wird ganz klar von den Militärregierungen ausgenutzt, um sozusagen ihre Macht zu legitimieren. Gleichzeitig sehen wir, dass es die Versprechen eigentlich, die gemacht werden, nicht umgesetzt werden. Es gibt keine wirklichen politischen Ergebnisse, außer dass die verschiedenen Militärregierungen versuchen, ihre Macht abzusichern und das ganz stark, indem immer wieder Feindbilder kreiert werden,
zunächst ging es gegen Frankreich, dann gegen die EU, dann gegen die ECOWAS, gegen Algerien. Also es werden auch immer wieder in Niger, sieht man das, Inszenierungen ganz stark mediatisiert, wo diese Feindbilder dann aufrechterhalten werden und immer wieder dieses Szenario der akuten Bedrohung aufrechterhalten wird, was dann darüber hinwegtäuscht, dass es eigentlich auf politischer Ebene überhaupt gar keine Veränderungen gibt. Die Menschen haben sehr große Hoffnungen trotzdem in das Militär als Akteur. Das muss man auch so ein bisschen historisch einordnen, dass die Armeen in den Ländern sicher jetzt nicht das erste Mal in der Geschichte der Länder an die Macht geputscht haben, sondern immer die Armeen waren wirklich immer eine sehr wichtige politische Akteure, die auch in der Vergangenheit durchaus politischen Wandel herbeigeführt haben. Also in Niger zum Beispiel der letzte Putsch von 2010, hat einen Präsidenten abgesetzt, der sich ein drittes Mandat sichern wollte, indem er die Verfassung ändern wollte, und hat sozusagen dazu geführt, dass nach einer einjährigen Transitionsphase es eigentlich einen demokratischen Neuanfang gegeben hat. Also insofern wird das Militär auch in den Ländern oft als Retter gesehen in festgefahrenen politischen Situationen. Und deswegen gibt es diese Hoffnung auch und vielleicht auch in gewisser Weise ein stärkeres Vertrauen in die Armeen als in zivile Regierungen, die denen halt vor allem Vetternwirtschaft und Korruption vorgeworfen werden. Dass wir aber stattdessen sehen, dass es in der Realität repressive Regime sind, autoritäre Regime sind, die nicht vorzuhaben scheinen, sobald die Macht wieder abzugeben, das glaube ich, muss man auch sehen, und dass sie davon profitieren, dass es sozusagen diesen Wunsch der Bevölkerung auf Veränderung gibt. Wie lange sie damit erfolgreich sein können und wie viele Feindbilder oder wie lange man mit populistischen Diskursen und Feindbildern an der Macht bleiben kann, das müssen wir sehen. Also ich denke, in Niger ist noch sehr viel Bewegung drin, das haben wir auch jetzt, muss er auch angesprochen. Wir sind am Anfang der Entwicklung, wir müssen sehen, welche Richtung das letztendlich nehmen wird. Ich wollte auf einen Punkt noch eingehen, auf die Frage der Sicherheitslage und inwieweit sich das jetzt geändert hat mit dem Putsch. Also Musa meinte schon, es gab wieder eine Welle von Anschlägen, die wir in den 2 Jahren vorher so nicht unbedingt gesehen haben. Also seit Bazoum an der Regierung war, gab es sowas wie hatte sich die Lage so ein bisschen beruhigt. Es gab nicht mehr die großen Anschläge, die man noch in den Jahren davor gesehen hat. Jetzt sieht es so danach aus, dass doch Anschläge wieder zunehmen. Aber man muss ganz klar auch dazu sagen, dass seit das Militär an der Regierung ist, ist es sehr schwer, auch an verlässliche Informationen zu kommen. Also es gibt eine sehr intransparente Kommunikation. Anschläge werden nicht aufgearbeitet, beziehungsweise auch wird nicht bekannt gegeben, wie viele zivile Opfer es zum Beispiel gegeben hat, auch von Antiterroroperationen. Es ist viel, viel schwieriger geworden, wirklich an verlässliche Informationen zu kommen. Auch die Arbeit von NGOs, die eine wichtige Rolle in der Dokumentation von Gewalt gespielt haben, ist eingeschränkt. Also es ist ein Klima der Unsicherheit geschaffen, auch was den Informationsfluss angeht. Musa, möchtest du noch ein kurzes Schlusswort oder einen letzten Kommentar abgeben? Weil dann würden wir, glaube ich, die Veranstaltung danach beenden. Bon, le petit commentaire que je voulais faire, c'est sur une affirmation tout à l'heure d'Elisa. Elle parlait de les gens ont espoir que les militaires vont sauver la démocratie. Cette fois-ci, les militaires ne sont c'est la question de la démocratie. De façon très claire, le public qui les soutient considère que la démocratie même est un problème. Beaucoup de gens qui les soutiennent, ils sont d'accord avec eux pour clôturer la parenthèse de la démocratie. S'ils ont de l'espoir vis-à-vis des militaires, c'est surtout, ce qu'ils apprécient, c'est surtout c'est l'affirmation de la souveraineté, etc. Ces tensions-là, cette rupture avec la France. C'est d'abord ça que les gens soutiennent. Et il y a des gens qui pensent aussi que bon, les militaires vont ouvrir aussi des perspectives peut-être sur le plan social et peut-être vont réduire un peu
les politiques d'exclusion, etc. Mais sur la question de la démocratie, si vous écoutez bien ce que disent les Sahéliens, beaucoup de gens qui le soutiennent, ils estiment que non, vous nous emmerdez avec cette histoire de démocratie, c'est un truc occidental, que nous, c'est pas ça notre problème, etc. C'est ça le discours. Hein. Donc, aujourd'hui, il y a une montée des idées un peu contre la démocratie. C'est pas la démocratie que les gens attendent des militaires. Ils sont en train de leur dire rester au pouvoir, on n'a pas besoin d'élections, on n'a pas besoin de ceci. Cette histoire des droits de l'homme qu'on évoque chaque fois, etc. Il faut vous en foutre et puis avancer. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Et ça, c'est pas fait pour nous. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Ça, là, c'est très important. Il ne faut pas perdre ça de vue. Et c'est en cela que ce qui est en train de se passer est grave. Avec raison, non? Bon, je ne sais pas. Pourquoi avec raison? Moi, je me suis battu consciemment pour connaître cette démocratie-là. Je sais que la démocratie représentative libérale a ses limites. N'est-ce pas? Mais nous nous sommes sacrifiés, nous nous sommes battus pour être reconnus comme des êtres humains qui ont des droits, qui on a droit à. Certaines libertés, on doit s'exprimer, on doit. Voilà. Que quelques personnes ne peuvent pas nous guider comme si nous étions des moutons. On s'est battu pour ça. Et nous estimons qu'on doit bénéficier du droit de choisir aussi nos dirigeants. N'est-ce pas? Que des militaires ne peuvent pas se lever parce qu'ils ont des armes. Ils vont s'imposer, ils vont dire non, vous êtes obligés. Vous allez vous taire, c'est nous qui connaissons les chemins, nous sommes les bergers, vous êtes le troupeau, vous allez nous suivre. Moi, je ne conçois pas ça comme ça. Je n'accepterai pas ça, je préfère mourir que d'accepter que des gens, parce qu'ils sont des armes, ils rentrent devant. Moi-même, je peux prendre des armes. N'est-ce pas? Et je refuse que la force confère des droits. Et c'est un certain nombre de privilèges. Et que celui qui n'a pas la force, qu'il doit subir. Je ne peux pas accepter que le pouvoir soit au bout du fil. Ce n'est pas un principe acceptable. Donc, nous, nous tenons à nos libertés. Et nous voulons être considérés simplement comme des êtres humains qui ont des droits chez nous. Et que l'État doit faire ce qu'il faut. Si on n'est pas content, on doit pouvoir s'exprimer et dénoncer. On ne peut pas renoncer à ça. Et ça, c'est tous les êtres humains, ce n'est pas un truc occidental. Les occidentaux même, ben, ils ont la démocratie arrivée par des luttes, etc. Ça ne fait pas partie de la culture des personnes. C'est une lutte permanente de toute l'humanité. Il y a un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs universelles. Il faut les défendre. C'est intrinsèque à l'homme. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Bon, donc, je ne vois pas ce que la démocratie nous empêche. Quel problème? Que, donc on n'a pas besoin de ça. Bon, en tout cas, c'est ça moi mon point de vue. Je sais que beaucoup de gens chez nous ne sont pas d'accord avec cette idée. Ils pensent que oui. Et beaucoup de gens qui le disent, parfois ce sont des jeunes qui n'ont pas de mémoire des régimes militaires, qui ne savent pas ce que c'est que vivre sous des régimes autoritaires. Ils n'ont jamais vécu. Ils n'ont connu que la démocratie. Ils connaissent ses insuffisances, mais ils ne connaissent pas l'alternative à la démocratie, à des dictatures militaires, ils n'ont pas connu. Nous, on a connu le moment où tu ne peux pas parler, même dans ta chambre avec ton épouse, de certaines questions, que les gens avaient peur. On a connu, on ne veut pas retourner à ça. Voilà, donc c'est ça. Bon, maintenant qu'on voit des kidam qui sont là en train de circuler, qui pensent que oui, en fait, bon, c'est trop, etc. La liberté est quelque chose de précieux. On ne mesure parfois son importance que quand on la perd. Je pense que les gens, vous allez voir, pour le moment, ils sont en train de crier, dire que oui, nous, même si c'est dictature, on préfère ça à la démocratie. Ok, la dictature, elle est en train de se mettre en place. Et dans quelques années, vous allez encore entendre dans tous ces pays, les gens vont peut-être se soulever pour contester ça, parce que c'est insupportable. Et puis, ce sont des prédateurs qui sont en train de se mettre en place. Ces gens-là sont tout aussi corrompus et pourris que les dirigeants civils qu'ils ont renversés. Ce qu'ils sont en train de faire est grave. Ils sont en train simplement de détruire les pays. Et du reste, je
Je pense même qu'il y a quelque chose de tout à fait faux. C'est de croire que d'un côté, nous avons des militaires soucieux de la souveraineté de l'indépendance du pays, et de l'autre côté, des civils qui, eux, seraient vendus à l'Occident. Je pense que tout ça est une caricature. Tous ces militaires du Sahel, par exemple, ceux qui ont pris le pouvoir avec les trucs, c'est eux qui étaient tout le temps dans les pattes des militaires américains, des militaires européens, etc. C'est eux qui mangeaient dans la main de ces gens-là. Depuis quand ils ont été des anti-impérialistes, c'est un truc de circonstances qu'ils sont en train de faire. Ils jouent la musique du moment, un point sur tout. Mais on va découvrir ça dans tous les cas. C'est une question de temps, Inch'Allah. Il ne faut pas être pressé. C'est malheureux pour mon pays, mais tout le monde va se rendre compte que ce qui est en train de se mettre en place là est fou. Et qu'on est en train de s'auto-détruire pour le moment. Et c'est très malheureux. On n'a rien gagné pour le moment, qu'on peut dire que c'est mieux que ce qu'on avait, même il y a quelques mois. Ja, vielen Dank. Moussa, nochmal auch für diese Betonung der Wichtigkeit der Menschenrechte und dass diese nicht verhandelbar sind, sondern dass die einfach für alle Menschen gelten und gelten sollten und alles andere, ja, überall, wo die Menschenrechte unterdrückt werden, dass wir hoffentlich alle damit nicht einverstanden sind. Ich würde jetzt diese Veranstaltung offiziell beenden. Vielen Dank, Moussa Changari. Vielen Dank, Lisa Tscherner.